ko ninye kabila kendoje musukendo lebelo ringa kuma tunyalem na kabilo barakata kende kele tumumengite nyumuso ya bangu Ici le premier jour à Ziguinchor. Alors aujourd'hui, on vous amène découvrir l'Alliance française de Ziguinchor, construite sous forme de cage à impluvium. Vous allez comprendre le concept en matière d'architecture, comment la cage a été construite. Vu que moi je suis habitué des lits, après on va laisser mon ami, vu que c'est un camarade de classe. Après, c'est à lui d'apprécier les lieux, de voir ce qui lui correspond en matière d'architecture et tout. Alors juste là, on a l'entrée de la case à impluvium, construite de manière locale, même la peinture et autres, purement artisanale. Quand on parle de case à impluvium, c'est seulement ça. Le fait de recueillir l'eau, c'est purement de l'architecture locale, autrement dit l'architecture Djola, parce que là où on mettait les cases à impluvium, c'était dans des zones arides, dominées par l'avancée du sel et autres. Et pour récolter l'eau de pluie, le conserver à des utilisations ménagères et autres, ils ont eu l'ingéniosité de créer des cases afin de recueillir l'eau. Et voilà quoi. Donc c'est un peu ça l'impluvium. Mais ici nous sommes dans un concept purement, je dirais pas purement repensé et autres. On a modernisé la case un tout petit peu. Mais le concept, c'était de recueillir l'eau, comme ça, et voilà. C'est ça aussi, hein, l'utilité de l'architecture, c'est pas seulement l'esthétique. Abdel, et tes impressions sur... C'est très original de leur part d'avoir pensé à remoderniser la case. Ce qu'on voit ici, une construction peut-être... très moderne même, ou bien on dirait même pas moderne, mais aussi contemporain. C'est ça aussi qu'on sait qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Voilà. Le fait de dompter en fait les problèmes du lieu à sa propre guise. Tu vois? Et tu en penses quoi?
Et à propos de la déco et autres, parce qu'on a vu que voilà, pour les toits et autres, on a utilisé des trucs dont j'ignore. Donc... C'est à base de paille, si je ne me trompe pas, paille. Ouais. Bien, je sais même pas comment dire. Bien tissé. Voilà, bien tissé. Agencé. Ouais. Voilà, et aussi les toits aussi, c'est en bois. Ah. C'est en bois, c'est très original, comme vous voyez. Et à ce qui paraît, ça laisse entrer la fraîcheur et tout. Oui, ça laisse entrer la fraîcheur. Ouais. Et là, on a la salle des spectacles. Voilà, il peut accueillir 500 personnes. Ah oui, je vois. Voilà. Construit avec... Ouais, je vois. La case qui déborde ici. La case à impluvium. Voilà. Et même les chaises sont construites de façon purement artisanale, en fait. Voilà. Avec du bois et de l'argile, à ce que je vois. Et ça, ce sont les cases qui débordent de l'autre côté. Les cases qui débordent. Bagina Bicholka. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour au niveau de la Casamance. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour visiter la case à étage ainsi que. Et après avoir visité la case à étage, on va aller rendre visite au roi. Ainsi aussi. Et après, on va finir par les bois sacrés. Ouais, et après, bah, certainement, on va partir à Moulamp. Alors là, on est chez le roi, on va essayer d'entrer pour voir en fait si ils vont nous donner le de la chambre entrée. Alors là, c'est le palais. C'est le palais royal du roi. Voilà le roi. C'est le palais, hein. Très modeste, certes. Bon. Mais on est dans l'architecture locale. C'est ce qui me plaît en fait. C'est avec de l'argile et autres. On y va. Casa mansa yo ya chukbechu banu juk wanu musuju casa mansa rokatu inyere goni marani ngoirwa dola janirwa bika turu jalma her muni akori lobu jao muni jumi afiyam banu mirbere nyanyam turi banu baga nidiya. Alors là nous sommes voilà au niveau de la case à étage. Là, on est dans l'entrée. Voilà, bonjour et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Dans cette maison de Étienne et Martins, un couple-là, on construit cette maison. Étienne avait fait cette maison, pourquoi? Parce qu'il avait fait la guerre 14-18. À son retour, il avait montré un peu les gens ici, ce qu'il avait en Europe. Et lui, il a essayé avec la maison un étage. La terre, on ne cherche pas même que juste dans la cour. Tu vas enlever le sable qui est en haut, tu vois la terre qui est un peu achelée. Tu pioches la terre et tu mets là-bas de l'eau. Après, les hommes vont prendre leur pied pour bien piétiner la terre. Et là, la construction, on le fait par étapes. Tu mets les petits boulons, tu feras tes premiers murs jusqu'à là. Tu attends 4 jours que ce soit séché, tu pioches le tout dans la maison jusqu'à là. Et ce qu'il a pris pour remplacer un peu le fer, il a utilisé l'arbre qu'on dit palmeronier. Donc tous les longs bois, ça c'est le premier aussi. Tous les longs bois, c'est le premier qu'il a utilisé. Tandis que les petits bois sont les paltuviers, les mangroves. Il les coupe en deux et il range. Quand il finit de ranger ses petits bois, il va prendre un peu la terre qu'il a pris pour faire le nid. Il refait une petite couche de terre pour faire son faux plafonnage. Ah, je comprends. Il n'y a que des chambres à coucher, les dortoirs. Ah oui. 4 sont en haut, 3 en bas, plus un grenier à riz et une salle à manger. Et la maison a fait combien d'années en fait? 67 ans. 67 ans. Et mais qu'est-ce que la maison, en fait, de par l'architecture locale, a comme problème? Est-ce qu'il y a un problème d'ensoleillement, problème de, d'entrée d'air et autres? Uniquement la termite. Uniquement les termites. Quand tu prends un plastique par là, on a changé. Ah, tu as vu, on a fait du plastique en bleu. Ah, je vois. Voilà. Au moins,
ça peut tenir un peu. Je comprends. Mais en matière d'aération, non. À l'intérieur, tout est frais. Pas de problème. Je comprends. Toujours à l'intérieur, il fait frais. Même si la chaleur est dehors, mais quand tu rentres à l'intérieur, il fait frais. Et chaque année, vous mettez de l'argile et autres. Non. Donc depuis que c'est construit, il n'y a pas eu de rénovation ou autre. Non, sauf cette année qu'on sauf a travaillé. Ok, je comprends. Nous, en étant des étudiants en architecture, on le décrit le plus souvent. Est-ce que la municipalité ou les gens de la région l'ont fait un patrimoine ou, je ne sais pas, un truc pour conserver la maison? Il n'y a que la famille. C'est la famille et avec l'argent que les touristes donnent, c'est ça qu'on prend pour travailler. Pour travailler. D'accord, merci beaucoup. Et l'arrière-cour aussi, c'est... Oui. Eh bien, bonjour à tous, on est là à la pointe Saint-Georges. Et puisqu'il est, il est casassé, donc il est mieux placé pour nous dire ce qu'il pense. De... Ça fait deux jours qu'on est en train de sionner la Casamance, une bonne partie de la basse Casamance. Avant tout, on a fait Saint-Georges, on a visité la Casamance. Forcément, l'Alliance française des Saint-Georges. C'est rendu au niveau de la frontière pour voir comment les villes et villages au niveau des frontières marchent parce que c'est une partie de l'économie dans le pays. Et après aujourd'hui, on est passé au niveau de Lampe et au Sui. On a eu l'occasion de visiter le bois et ainsi que les bois sacrés. On a visité aussi le palais du roi bâti sous forme de terre cuite et autres. Après, on a passé à Moulin, parce qu'en architecture, on étudiait souvent les cases à l'étage de Moulin comme un exemple architectural purement local. On l'a visité, on a vu une dame vraiment accueillante qui nous a expliqué comment on a fait pour le bâtir et autres, contexte historique, les matériaux qu'on a utilisés pour le bâtir. Et aujourd'hui, on se dirige vers la pointe Saint-Georges pour un tout petit peu plus. Dal amandel in barna nen ko
On va repartir pour la descente. Ça va, le cœur. Là, on a déjà fait Pointe Saint-Georges, on a escaladé le fromager. Et je vous dis, c'est une expérience de ouf. Veuillez le tenter vraiment. Ça vaut le coup, vraiment. Bon, là, on va. Hello, aujourd'hui c'est le troisième jour à Ziguinchor. Alors on s'est dit pourquoi ne pas aller au centre-ville, là où les colons se sont installés durant l'époque de la colonisation et autres, pour voir les anciens bâtiments, les anciennes constructions coloniales. Et voilà. Alors là, parfois c'était des hangars, et là au premier niveau, c'est là où habitaient les Européens, entre autres. Et cette direction mène tout droit vers le port. Et quand les bateaux arrivaient, ils acheminaient directement les produits qu'ils nous arrachèrent. Et la manière en nous reprend. On est sur l'avenue Javalier, on a changé. Aujourd'hui, ça s'appelle, je pense, l'avenue des Tirailleurs, changé par Monsieur le maire. Alors là, on a beaucoup de bâtiments historiques, à savoir l'ancien palais de gouverneur qui est aujourd'hui la gouvernance. On a aussi un bâtiment construit par les Portugais, qui étaient les premiers à atterrir à Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est l'office du tourisme, je pense. On a aussi le bâtiment qui est l'actuelle chambre des commerces de Ziguinchor, qui est un bâtiment historique aussi, construit avec des voûtes très excentriques et autres, très jolies. Là, on se dirige vers le port pour acheter nos billets retour. On est là. Fallait prendre Again ou Jumbo, non. On peut diversifier les choses.
C'est ma chance. Tu n'aimes que le confort. Tu n'aimes que le confort. Merci. Regarde ma dinner, McDay. Oui. Repeat again. We have already taken our ticket to go back to Dakar. Il faut sortir le ticket. This is here. Bien retour. Yeah. Sure. This is mine. This is not yours. This is mine. You will stay here. Come on, let's go. Et puis, je ne prends pas encore un jour de travail. Donc, on n'a pas triché. Hein. On travaille, on a étudié et on a travaillé. On a étudié en Afrique coloniale, on a travaillé en Europe. Et on a réalisé beaucoup de choses, je crois. Un peu de mais au début de. Ah oui, c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, nous nous réjouissons de partager avec vous des choses. Waouh, c'est normal. Et Georges, c'est que c'est ouvert à toi. Hein. Il ne se cache pas. Il va travailler. Travailler surtout. Je dis de travailler. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, on est où là, Elaj? Au milieu de nulle part. On est au niveau du musée de Djemberin. On est sur la route. Vous la dé. Il mène vers le musée. Pourquoi vous me faites ça? Voilà, c'est ma meilleure amie. Nous accompagne aujourd'hui pour nous montrer du bon lieu. 17 ans au bord de l'eau avec ces bons rivages qui font face. Ici c'est la dot, les fiançailles, et ça c'est. Oui, c'est un soli. Un soli marido et une mujer. Pourquoi? On peut avoir des maîtresses, mais elles ne sont pas reconnues officiellement comme des femmes officielles. Mais par contre, elles ont le même statut que les premières. Vous allez chanter après moi. Hein? Elles ont le même statut. Alors bonjour, là on vient d'arriver à Cap Skirin. Djembera, village de son enfance. Il y est né, il y est retourné. Que la terre de Djembera lui soit légère. Il y est né. Cette prière est pour mon père. Que la terre de Djembera lui soit légère. À Djembera, 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 village de Casamance. À Djembera, 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 village de son enfant.
Alors bonjour, bah, on va terminer cette vidéo ici au niveau de la plage de Cap Skerring avec cette couchée du soleil vraiment au top. Donc dites-moi aux commentaires, sur les commentaires, si vous aimez ces genres de contenu. Voilà, parce que je veux me lancer sur YouTube avec des thématiques qui vont parler d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire et aussi nos quotidiens en tant qu'étudiants dans ces métiers et autres. Voilà quoi, et ça a été du plaisir de partager ces moments avec vous, de partager ce voyage avec vous. Vraiment, et j'espère que ça vous aura plu. Et voilà quoi. Ciao.